Yo les gars, c'est Nation, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Overwatch 2 pour découvrir la collab avec One Punch Man. La collab est sortie il y a 3-4 jours, le 7 mars, mais bon, je me suis dit mieux vaut tard que jamais. Et puis je kiffe les animés, vous le savez, donc je voulais découvrir un petit peu. Et puis j'ai pas fait trop d'Overwatch sur ma chaîne, j'en ai fait il y a quelques mois, même quelques semaines, mais en fait c'était sur un clip, genre un highlight. Je pense que vous l'avez peut-être vu. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. C'était un highlight sur plein de jeux vidéo et il y avait aussi Overwatch. Donc voilà. Donc première petite vidéo sur le jeu. On va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a de beau. Donc la collab se termine le 6 avril, si jamais. Donc voilà. On a déjà dans la boutique les gars. Donc les skins. Donc pour Genji, on a Genos, pardon, qui est vraiment moche. Je suis désolé. Regarde la gueule qu'il a. Bon, je pense que vous l'avez capté quand vous avez vu Saitama. Ils n'ont pas voulu faire juste le perso. Ils ont voulu garder le perso de Overwatch en le remodélisant à Saitama. Donc en gros, c'est pas Saitama, t'as capté. Bon, sinon, voilà. Il a pris des muscles. Mais du coup, voilà. Ils ont repris le perso et ils l'ont remasterisé. Donc c'est pour ça que Genos, il a une tête un peu chelou. Par contre, Tornade est vraiment, vraiment magnifique. Donc c'est très ressemblant et si jamais je peux vous conseiller un skin, ce serait vraiment celui-là parce qu'il est incroyable. Par contre, Saitama, bon, on souffle. Et Genos, bon, frérot, c'est un vieux. Je vous montre vite fait l'emote. C'est juste des pompes, donc ça n'a rien à voir avec la collab. Genre vraiment. C'est... Je sais pas pourquoi ils mettent ça dans la collab. Genre, regarde, c'est... Y a rien. C'est pas un truc One Punch Man. Il fait des pompes, le poteau. Là, juste, elle fait la gueule. C'est pas... C'est pareil. Là, vous entendrez peut-être pas bien, mais juste il parle. Avec la voix de Doomfist, même pas la voix de Saitama. Ça, à la limite, je veux bien. Ça, il met son gros coup de poing, grosse explosion. Donc, je suis d'accord. Et puis, les cartes de visite sont très très magnifiques, surtout celle-là. Donc, à part les emotes qui sont un peu merguez, je suis d'accord. Donc, vous avez ce pack-là qui a 50% en plus pendant peut-être 3 jours, je sais pas. Donc, dépêchez-vous si vous le voulez. Et puis à droite, c'est les mêmes packs mais en plus petit, vous voyez. Je vous montre quand même au cas où. Donc voilà, c'est que les lots qui sont du personnage que vous voulez. Ensuite, on va regarder les défis vite fait. Donc il y a 6 défis et les défis sont très simples, vous les voyez déjà. Donc faire 4 games, pardon, 8 games, 12 games, 16 games, 20 games et 24 games. Je pense que vous pouvez vous dire 24 games, c'est très long, etc. Non, pas du tout. J'ai fini les défis en 1 heure ou 2 heures, même pas. Vraiment, en 2 heures, c'était terminé. Et moi, je vous conseille, vous regardez une petite vidéo en même temps, un petit live. Profitez-en pour regarder des vidéos sur ma chaîne YouTube, hein, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas vu l'highlight, vous le regardez en même temps de lancer une partie. Et comme ça, vous vous ennuyez pas, vous faites des games, ou même avec un pote. Et puis voilà. Donc, on va regarder les récompenses, parce que je les ai tous débloquées. Et je vais vous les montrer après en game. On va lancer une petite partie. Donc vous avez déjà avec 4 games, et il faut savoir que quand vous gagnez une partie, ça double votre progression. Donc par exemple, si vous êtes à 30 games, bon j'abuse parce qu'il y en a 24, si vous êtes à 20 parties et vous faites top 1, vous allez être à 22 au lieu de 21. Donc voilà. Bon les gars, il est 1 h du mat, si j'ai une voix un peu cassée, c'est normal. Du coup, ici on a un porte-clé pour une arme, donc c'est un point de Saitama. Là, il y en a un deuxième en bas avec Boros qui est très 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 stylé, j'aime beaucoup. Le point de Saitama, à la limite, pas ouf, on dirait un gant le truc. Une carte de visite, ça c'est très cool parce que j'avais pas de carte de visite sur mon compte donc je suis très content. Je vais vous la montrer après. Et là, on a une entrée en scène, une célébration pour le papy parce qu'il y a un skin pour le papy qui est juste là. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Hop, on va dans Héros, à chaque fois je me perds. Et donc Soldat 76, pardon. Donc on a, non pas une emote, on a une, ça là, je sais pas ce que c'est, mais il est sur un vélo, et on a l'entrée en scène. Ouais, en vrai c'est rigolo, en vrai c'est rigolo. Et donc on a évidemment le skin Roulette Rider. Franchement il est bien fait, et comme sa tête est un peu cachée, on voit pas que c'est une tête de vieux, mais du coup c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, le petit skin gratuit pour tous ceux qui le veulent. Et donc je vais lancer une game avec le skin. Attends, je vous ai pas montré où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est là. Boum. Regardez pas mes stats les gars, je vous ai dit je joue pas au jeu. Et donc regardez en haut à droite, vous voyez Roulette Rider en carte de visite. C'est très très stylé. Donc voilà. Ah, je vous ai pas montré les armes aussi. On va aller vite fait dans les armes. Où est-ce que c'est? Boum.
Oh là là, stylé. C'est juste là. Donc on a Boros, qui est incroyable. C'est clairement mon préféré. Et le petit point de Saitama, bon, on dirait juste un gant rouge. Donc pas ouf. Et on se retrouve tout de suite en game. Donc pour les games, je ne vous ai pas précisé, mais je vous conseille combat à mort parce que faut faire seulement 20 kills. C'est très rapide, 20 kills. En, je dirais, en moyenne, entre 4 et peut-être 8 minutes. Entre 4 et 8 minutes, vous avez fini la game, alors que des parties comme ça, normales, ça met une vingtaine de minutes des fois. Donc lancez en toujours combat à mort. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait, les gars. En 5 minutes, j'avais fini, j'enchaînais mes 20 kills. Prenez des persos bien toxiques, y a pas de galère. Surtout que les gens en face, ils prennent toujours des soigneurs, je sais pas pourquoi. Donc tu prends des persos bien tank, c'est magnifique. Ok, on est déjà dans la game. En plus, ça se lance assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce mode de jeu. Et donc, bam! Ah, c'est pas ça l'entrée? Il est pas sur son vélo là. Mince. Ok, c'est bon. Roulette Rider. Je déteste ce personnage. Mais vas-y, il n'y a pas le choix, hein. Je déteste vraiment ce perso. Oh mince, j'oublie qu'on peut pas viser à chaque fois. Oh, cette map, je l'aime bien. Attends, à chaque fois, j'oublie qu'on peut pas viser. Bon, je vais pas vous laisser 30 minutes de gameplay, les gars, donc on va faire au mieux. J'aime vraiment pas ce perso, les gars, je suis désolé. Hop, toi, fallait au moins que je te tue, mec. Hop, on va prendre ça. Attends, je suis vraiment nul sur ce jeu, les gars, je suis désolé. Enfin, en fait, il n'y a qu'un seul perso que je main. Donc, c'était avec ce personnage-là. Enfin, pas Soldat 76, je parle. Avec mon perso main que je gagnais mes games. Donc c'est pour ça que là je galère un peu. Mais en tous les cas on va faire vite fait des petits rounds. Allez! Ah oh, presque. J'aime vraiment pas ce perso les gars. Parce que déjà on peut pas viser. On n'est pas sur Valo genre what the fuck. On peut pas viser. Et en plus je trouve genre... Je sais pas. Hein. J'aime pas du tout. Mais bon on va laisser un peu de gameplay quand même. Aïe aïe aïe. Je me fais défoncer par la matraque. Matra la mala. Putain, j'aime pas ce perso. En plus, on le voit même pas en game. Et des fois, c'est buggé. C'est-à-dire que moi, des fois, je vois même pas le skin des autres mecs. Attends, mais j'entends des gens ou je suis. Je suis fou. Non, le gameplay est médiocre. Waouh. Wesh One Punch Man! Oh le banger! Ouah, il y avait combien de mecs? Ouah, le banger! En vrai, je vais peut-être vous laisser la game entière. Si jamais les mecs ils arrivent à faire pas mal de kills assez rapidement pour terminer la game. Je crois qu'il y a un mec derrière moi, mais laisse-moi faire mon kill, mon pote. Oh là là, la galère! Les gars, je déteste ce perso vraiment. Attends, on dirait que c'est genre le mec nul qui dit ouais, non, ouais. Le perso il est claqué. Non, pour de vrai, j'aime pas. Pour de vrai, j'aime pas. Pourtant, regardez, tu vois, j'ai un aim et tout, tu vois. Tu vois, j'ai mon aim. Bon, les vrais savent si j'ai de l'aim. Mais j'ai de l'aim. Certains jours. Non, en vrai, ça passe. Ah non, ah si, ouais, ça va, ça va. Bon allez, avant que Freak y finisse la game, on va essayer quelques kills. Ah dommage. Non, il avait un PV. De base, je voulais pas vous mettre toute la game, mais vu qu'elle est rapide là, et comme ça vous allez voir que ça se finit vraiment vite. Ah, y a pas de dégâts de chute, putain. Non, je suis vraiment un noob. Je viens juste d'apprendre ça, les gars. Putain, je viens juste d'apprendre qu'il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu. Oh, il est claqué mon pouvoir. En plus, c'est faux, il est grave bien. Genre, ça me met un aimbot. Ok, lui je l'ai. Bien joué. Ouh, youyouy. Au moins, si je suis pas dernier, ça me va. Je suis avant-dernier. On est bien, on est bien, on est bien.
Putain, j'ai gagné toutes mes games, les gars. Du coup, vu que tu gagnes tes games, au lieu d'en faire 24, il faut en faire seulement 12. Oh, what the fuck? Et donc, j'en ai fait que 12 au final, parce que j'ai gagné mes games. Oh, c'est le mec qui va gagner la game. Ah non, c'est pas lui, c'était sale. Sale truc, Slaff. Ah, il a gagné, il a gagné. On va dire GG. Putain, dommage, dommage. Mais ce perso, vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui jouent soldat machin? Parce que c'est le perso de base en vrai. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis un skin dessus, je pense. Pour attirer les gens, etc. Mais vraiment. Pas ouf le perso. Ok. Bah, stylé, stylé. On va recommander les deux meilleurs. Hop. Bien joué, bien joué. Putain, j'ai bientôt déverrouillé H22. Ok, bah let's go. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez dans la boutique et mettez le code créateur NCU dans la boutique. Bon, il n'y a pas sur ce jeu, mais sur les autres boutiques. Et puis, ciao!